Alors aujourd'hui, on a un petit vent de travers. Ça va être encore sport les atterrissages. On n'a pas tourné ce matin, en fait. Hein. Non, c'est donc un démarrage à froid. C'est gelé, c'est bon pour moi. On va le remettre. 37, 89, 42, ok. Je vais se mettre que... Ok, je vais batterie, petite collision. RPM max. Donc si on plante tous les deux, ouais. C'est sur la touche. Essence. Non, c'est la noire. Ok. Bonjour, appelé Vertical Sierra. Allons, Vertical Sierra, devant Papa Charlie. 75 unités, vous pouvez poursuivre le roulage. Et vous avez un avantage sur le principal, mais c'est pas un 1-2-1-2, ouais. Ok. Je te reçois 5. Je vais monter un peu le son pour moi. Est-ce que ça marche? Oui. Pour moi, c'est bon, je te reçois 5. Ok. Alors, transpondeur sur ALT, conservateur de cap, roulage vers alors, le hôtel Alpha Tango. Alors, t'as pris la TIS? Non. Alors, bien qu'il manquait quelque chose. Ah, il manque toujours un truc. Ma tablette est derrière. Super. Allez, vas-y, mets-le, je vais te le noter. Alors, la TIS est... 127, 475.
Ok, donc c'est hôtel. Donc on a un QNH 1031, on a un vent du 352-2, et puis le reste, bah, c'est bon pour le tour de piste. Hop, ah. Touche du sol, Fox Alpha, hôtel Alpha, Alpha Tango, bonjour. Fox Tango, Fox, je vous écoute. Un Aquila au parking du Touring pour des tours de piste, Fox Alpha Tango. Fox Alpha Tango, transpondeur 7000, roulé point d'attente piste 07 droite, rappelez près. Je roule 07 droite et je rappelle près. Fox Alpha Tango. Et transpondeur 7000. Tango Fox, rebonjour, allez, vas-y. Alignez-vous piste 07 gauche, autorisé accélération arrêt, rappelez piste dégagée. Je m'aligne 07 gauche, autorisé accélération arrêt, Fox Tango Fox. Le vent Papa Charlie, piste 07 droite, autorisé toucher, vent du nord, 8 nœuds, trafic Cessna, monte initiale, tour de piste, rappelez base. Cassure des freins. Et puis c'est 07 droite, Papa Charlie, on rappelle base. Ok, je vais. Allez. Ok, efficace asymétrique, on prend à gauche. De Fox X-Ray Novembre, point d'attente 07 gauche près. Fox X-Ray Novembre, veille à la tour 120, décimale 750. Je veille la tour 120, décimale 750, c'est à l'air X-Ray Novembre. Puis Fox Car, si vous passez avec Chevrolet, gardez le transpondeur, silence 7000 et quittez, au revoir. Page à gauche, carte diminue, pas deux fois. X-Ray Novembre, tout suite au rebond, je ralignez-vous. On a gauche, la pied est à droite. Ok. Je m'aligne à 07 gauche et j'attends X-Ray Novembre. Bien pour de travers quoi. Ouais ouais. Je sens que je vais pas rigoler aujourd'hui. Ah t'as pas de chance hein. Deuxième fois avec moi, je sais pas, taille du vent. Ouais. Ah bon ça entraîne hein, de toute façon faut en faire aussi hein. Ouais mais bon au début. Ah au début. Pas visuel sur le trafic, mais je reste vigilant, extrêmement.
AirPod 75, unité près, point d'arrêt Whisky 17 droite. Et AirPod 75, horizon, unité pour 120 décimales 750. Conservateur de cap. 127, 150 heures maintien. Ok. Je mettre... 75 unités, alignez-vous, piste 0, sa droite et attendez. Moyen de radionavigation. Donc là, on va se remettre sur la... tu peux remettre la fréquence tour. Fréquence tour, c'est le... Donc 120, 750. Numéro 1, départ en cours. Numéro 1, rappel en finale 0, sa droite, la fois que j'ai fermé. Antivrave, bonjour. Et... Parc déterré. Briefing départ. Tu as avancé? Ouais, vas-y, avance jusqu'au point d'attente. Ok, on va transformer 3701, mise en garde prouvée dans 020 degrés 8 heures, un peu près à translater. Mmh. 215 unités autorisées décollage, piste 0, sa droite, dans 020 degrés 8 heures, trafic CSNA touche la parallèle tour de piste, rappelé sud en pierre. Autorisé décollage 07 droite. Réfile départ, donc nous décollons en piste 07 droite. Pour des tours de piste. En cas de problème constaté pendant la phase de roulage. Alors, déjà rappel juste quand même les vitesses. Alors vitesse de rotation 55 nœuds au point de rotation, 70 nœuds en montée initiale. En cas de problème pendant la phase de roulage. Détecté, je réduis les gaz et on rentre au touring. Ouais. Pendant le décollage, en cas d'avarie mineure constatée, on fait un tour de piste et on rentre atterrir complet au touring. En cas de problème constaté après décollage, on rend la main pour une test de 80 nœuds et on se pose dans les plus ou moins 30 degrés avec un cran de volet. Ouais, alors on a un cran de volet, mais si jamais tu te poses, une fois que tu vas, t'as vu le terrain que tu vas faire, tu mets le deuxième cran de volet. Ouais. Et après tu tiens l'avion en l'air le plus longtemps possible. Le but c'est vraiment de toucher avec la vitesse la plus faible possible. Alors là, vu la configuration, a priori, plutôt légèrement à droite, parce qu'à gauche, t'auras des armes. D'accord. Alors après, on peut parler des effets du vent, parce qu'aujourd'hui, ça va quand même nous intéresser. Quoi. Donc aujourd'hui, on a un vent travers, donc, qui vient de la gauche. Ouais. Donc on va mettre le manche dans le sens du vent au décollage, ouais, à gauche. Et revenir au centre juste avant la rotation. Alors donc ça va amplifier les effets moteurs aussi, d'accord, comme le vent vient de la gauche, comme l'avion c'est comme une girouette, le nez va tendance à partir à gauche. Il faudra bien mettre du pied à droite pour bien garder l'axe de la piste. D'accord. Et sinon après à l'atterrissage, bon, on va arriver, on sera un peu de travers, donc il y aura le nez de l'avion qui sera sur la gauche de l'axe, d'où l'importance de suivre bien l'axe de la piste, d'accord. Donc t'imagines que t'es assis sur le prolongement de l'axe. Et au moment de l'arrondi, donc une réduction de puissance, on commence à arrondir. Et avec le palonnier, donc en mettant bien pied au plancher, juste le bout des, sur les palonniers, d'accord, on touche pas les freins. Ouais. Donc un peu de pied à droite pour remettre l'axe de l'avion sur l'axe de la piste. Et un peu de manche à gauche pour bien garder l'axe de la piste. D'accord. Ok, bah, dès que t'es prêt. On y va. Ne rentre pas peu cher, les poursuivis, je vous rappelle dans 5 secondes. Fox Alpha Tango, prêt au départ. Fox Alpha Tango, bonjour. Bonjour, Fox Alpha Tango. Fox Alpha Tango, allez, au piste 0, sa droite, autorisé décollage en d'une heure, trafic BA 42 en montée initiale de la parallèle, tour de piste, rappelez base. Autorisé décollage. Oui. Autorisé décollage, piste 07 droite. Fox Alpha Tango. Voilà, et on rappellera en base 07. Piste 07 gauche, autorisé atterrissage, vent 360 degrés d'hier. Et pourquoi j'oublie toujours un truc? Parce qu'il y a toujours un truc à oublier quand même. Sinon 7000 équités, au revoir. AirPod 75 unités, c'est dans. Et il s'est. AirPod 75 unités, si vous passez avec Chevreuse. Il est bien en gauche lui, hein. Ouais, il est en gauche. On passe avec Chevreuse. Et autorisé atterrissage 07 gauche, passe en Golf. Non, en Golf, sans faire. Autorisé atterrissage 07 gauche, vent 350 degrés d'hier. Alors, ralenti, arrête l'avion, bien l'axe, mets les phares d'atterrissage. Ok, dès que t'es prêt, donc un peu de manche à gauche. Vérification. Dernier check, on est bon. Et tout. Okay. Eh ben c'est parti.
Alors, la puissance est disponible. Le badin, il est actif. Voilà. Regarde bien sur l'axe royal. Le vent en train de pousser vers la gauche. On revient à gauche. Reviens sur l'axe, reviens plus à gauche. Un petit virage à gauche. Là c'est normal, le vent comme il a, il te pousse au sens là, d'accord. Donc il faut voler dès que t'as décollé, il faut vraiment que tu voles en crabe pour rester bien sur l'axe de la piste. Ouais, corrige un peu plus que ça, mais 10 degrés à gauche. Et sinon on va direct sur la ferme du trou salé. Alors Allez c'est bon. T'as même 1200 pieds, tu peux couper la pompe entre les volets. Le trafic, je rappelle, final. Alors le phare, entre les volets. Professionnel 07 gauche, Fox Nickel Golf. 07 gauche, pardon, Fox Nickel Golf. Ok. Tu peux commencer à tourner. Ouais, ça bouge un peu encore aujourd'hui. Ah, c'est bien sur le pylône qui est droit devant, puis après t'as les terrains de foot là. Un peu dur. Ce qui est important, c'est juste pas survoler un Willy Leberg. Okay. Ouais, si t'as besoin, tu compenses. Ah, et puis là, tu peux commencer à préparer tout de suite la machine, hein. Ça t'évitera de courir après l'avion. Bon. Alors en 07, la chauffe qui est revue. La file est un peu plus longue en 07, donc t'auras plus de temps pour la stabiliser. Voilà, on réchauffe, on réduit, t'as bien 1200. Et t'attends que la vitesse arrive. Allez, on remet la puissance. Les terrains sont ici, hein, tu vois. On remet dans l'axe, ouais. Je suis parti un peu loin. Ouais, c'est pas grave. Et c'est juste pareil, il y a Château Fort qui est là, donc on va éviter de trop survoler. Alors juste au-dessus du terrain de foot, à droite. Ouais, ouais. Dès que t'es sur le terrain, tu tombes dessus. Allez, un petit tour à droite. Ça fait un gros rappel final piste 07 droite, numéro 1, trafic Robin en finale pour la parallèle. Alors rappel en finale 07 droite, visuel sur Robin. Ce kilo golf, piste 25 gauche. Allez, tu l'as vu, on descend. Attention, on va sortir de l'arc blanc. Trafic Aquila en début de base pour la parallèle. Là t'as un trafic qui est là quoi. Fais gaffe à pas overshooter. Ouais. Et de... Vas-y, tu peux commencer à virer tranquillement. Quand t'as un avion comme ça, si t'as un doute, hein, pour éviter d'aller se prendre. C'est la 07 droite, hein, la même que celle où... Touche autorisé 07 droite à Patango. Ok, plein volet, plein petit pas, allez, hop, on continue tout droit, on va essayer de reprendre l'axe. Le plan tu l'as, la vitesse un peu rapide pour l'instant. Allez, reprends ton axe, là t'es franchement à côté. Ah, tu vois, on est sur l'axe, on a le nez à gauche. Tout à fait normal, reste bien. Corrige bien la dérive. Salsa Juliette, bonjour, niveau piste 07 okay. Gauche, attendez. Allez. Salsa Juliette, bonjour, on s'allie 07 gauche et on attend. On peut commencer à réduire gentiment, on réduit tout. On est prêt à arrondir, voilà, doucement. Un peu de pied à droite, bonjour, un peu de pied à droite, hop, 07 droite, hop. Voilà, tiens-le comme ça. Bonjour, on s'allie 07 gauche, on attend. Ah, oh là là. Du pied à droite, garde l'axe, reprends ton axe, reprends ton axe. Allez, les prochains seront meilleurs.
Garde bien ton axe, attention Feuille. Mets du pied à droite. Allez, décollage. Hop. Bon, on va pas le mettre sur la vidéo celui-là. En montage. Je vois pas la fin. Ouais, tu peux virer, viens la passer. Voilà. Voilà, un tout petit peu plus. Piste 07 gauche, autorisé décollage, vent 350. Bah après tu vas sur le transponder, ce qu'il y a devant. Trafic AT3 au départ de l'appareil. Tour de piste, rappelez sortie ouest, sortie sud empire, pardon, rappelez sortie sud empire. Salut, ton école 07 gauche, info trafic reçu, et on rappelle 700 pieds. Ouais, t'as 800 pieds, tu peux rentrer, passer l'avion en lice. Dès que t'as 1200, tu remets les paramètres de croisière et on reprépare la machine. Bon, essence, phare. Ça réchauffe. Réchauffe. On réduit. Allez, réduit. T'as bien 1200. Voilà, 82. Hop. On relâche. Allez, on après elles sont gardées sur tes terrains de foot, ouais. Bah, elles sont droit devant, c'est parfait. On continue comme ça, tranquillement. Ça va être sport aujourd'hui, je le sens. Non, non, alors on va essayer de virer un peu plus tard, pour avoir une finale un peu plus longue, histoire de bien stabiliser les paramètres. Alors tu vois, dès que tu vires en bas, ça peut commencer à réduire, à descendre. Pour l'instant, on n'est pas tout à fait au terrain de foot. Le but, c'est vraiment de bien s'éloigner de Châteaufort qui est ici. Allez, fais-le descendre. Ça fait Tango, rappelez finale piste 07 droite numéro 1. Rappelle la finale 07 droite numéro 1, Alpha Tango. Fais gaffe à pas trop éclater l'arc blanc. T'as bien un chouïa plus à gauche, faut que tu descends, tu vas être en train de remonter. T'as encore 1100 pieds. Quoi. Donc réduis tout, mets-le plein réduit et fais-le descendre. Là on a le vent de face, si tu veux on va virer quasiment sur place, donc il faut retarder un petit peu la mise en virage quoi. On va voilà, tu peux y aller. Donc 20 degrés de liaison max, comme ça, parfait. Quand même environ plus tard, comme on vire quasiment sur place, l'axe est un peu mal arrivé. Ouais, donc on remet l'avion tout droit, on va aller couper l'axe de la piste. Touché autorisé 07 droite, rappelle base Alpha Tango. Allez, reprends bien ton axe, on est légèrement à droite. Réduit légèrement, on est un peu rapide. On stabilise, ok, ça, la vitesse ça arrive, 70 nœuds. Alors regarde bien l'axe, on doit avoir le nez de l'avion, on doit être à gauche de l'axe, hein, parce que là on va avancer en crabe. Voilà, continue comme ça, allez, on continue à descendre. Allez, tu réduis tout. On continue de descendre, allez on commence à tirer sur le manche, on arrondit, voilà, un peu de pied à droite, un peu de pied à droite, arrondi, arrondi, voilà. Hop, tiens bien ton axe, et du pied à droite, et du pied à droite, un peu de manche à gauche, allez rotation. Bon, ça c'était mieux déjà. Ah oui, mais premier c'est toujours et après, un peu long. Une fois, ouais, il faut se chauffer, quoi. C'est comme tout le monde. Hein. Bah, une fois que c'était bien comme ça en palier au-dessus de la piste, après continue à tirer, quoi. Pour bien toucher sur le train principal. D'accord, évite de faire un 3 points. Surtout quand il y a du vent de travers, comme l'avion il vole en crabe un petit peu. La roulette avant, on va pas apprécier la blague.
les volets à tour de placement en virage pour les rentrer. Tu peux les sortir en virage, mais ouais, de les rentrer en virage. Ouais, c'est tout droit par là. Ouais. Ouais, tu peux te rapprocher un peu plus de la ferme si tu veux. Tu vas repasser sur le bosquet. Tu vois là-bas, c'est l'antenne rouge et blanche qui te sert de point de repère. Pour qu'elle soit alignée avec le bosquet, c'est ça? Ouais, un petit peu après quoi. Idéalement, sans qu'elle soit alignée avec, avec le terrain de foot, ouais, tu peux y aller. Voilà, tu vois, t'as ton antenne, le terrain de foot qui sont là, et le bac qui est ici, on stabilise. Un peu. Ouais, c'est pas grave. Voilà, tu réduis et essaye de le faire monter un petit peu. Et on continue comme ça. Après quand tu viens en finale, essaye pas d'aligner, le nez de l'avion sur l'axe de la piste, puisque tu sais que si tu fais ça, tu vas te faire emmener à droite. Donc le nez de l'avion, tu vas le laisser bien à gauche axe, parce qu'on va voler en crabe. D'accord? D'accord. Là je suis au-dessus du terrain. Ouais, là, tu peux y aller. Ça rappelle en finale 07 droite numéro 1, Alpha. Bah tu vois, tu vas sur l'espèce de baraque qui est là toute seule dans la forêt. Quoi. Ouais. Bah, tu prends ça comme point de repère et puis tu vas dessus. Ah d'accord. En gros l'idée c'est de faire route 340. Donc, tu vois, tu vois ce qu'on a quoi. En allant sur la route de baraque qui est là. Allez, après tu réduis, tu le fais descendre. Alors dès l'étape de base, commence à regarder comment à quelle hauteur tu es par rapport à la piste pour commencer déjà à juger visuellement. Quoi. Tu vas être trop haut ou trop bas. Bah, comme ça on est pas mal. Donc comme le vent vient de face. On attend avant de tourner, hein, d'accord. On attend au moins d'avoir passé le technocentre à Guyancourt qui est ici. Quoi. Ok, et on peut commencer à y aller. Voilà. Deux planches de rouge. Autorisé touché, vent 350 degrés 9, ne rappelez base. Touche autorisé, 07 droite, on rappelle en base, Alpha Tango. Voilà, un pied de plus de 20 degrés. Ouais. Voilà, maintenant les actions sont faites. Fox Alpha Tango, un trafic hélicoptère, bientôt départ de la plateforme. Ouais, scotch, on a visé. T'as un hélico qui est là, reprends ton axe, tu vois, si tu te fais pousser à chaque fois, tu te fais pousser à droite. Tu dois bien avoir le nez de l'avion qui est sur la gauche. Il faut se repiloter la trajectoire et pas mettre le nez de l'avion dans l'axe. Tu vois, là, on continue comme ça, c'est pas mal. En finale, piste sud, touché tour de piste, rappelé sortie sud, Tampierre. Je rappelle sortie d'enquête, ouais, ouais, te laisse pas embarquer trop à droite, si t'as besoin de corriger tu peux. Continue de descendre et de faire un palier par ici. Voilà, ok, comme ça c'est nickel. Allez, on continue, tout droit. On réduit. Et on commence à arrondir doucement, un peu de pied à droite. Voilà, un peu de pied à droite, un peu plus. Bien. Top, voilà, douce, hop, douce. Voilà. Allez, plein gaz. Ah c'était pas mal mais c'est dommage, après t'es juste un peu trop remonté. Y'a un hélico là. Ouais vas-y c'est bon. Il va partir avant nous. Allez, rotation. Donc reste bien ici hein, d'accord, on va pas couper cette trajectoire. Ah ouais. Essayez. On va éviter de se prendre ses rotors surtout quoi. Parce que lui ça va mieux. Pas quoi faire là. Je vire. Ouais, vas-y, viens. Je vais faire un petit palier là, parce que. Ouais. Pas monter trop vite. Ah, c'est vrai, pas trop. T'as un petit palier. Je sais plus. T'as un palier. Ouais. Vas-y, on va passer en lice. Ok, c'est croisé. Allez, tu peux remonter. Ok, Michel, Delta Bravo. Non, je suis Fox Delta Bravo. Je vais te dire un bonjour.
Je vais être uniforme à niveau piste 07 gauche, autorisé décollage, vent 340 degrés, 9 nœuds, trafic hélicoptère au départ de la piste sud sortie sud d'Ambia, rappel sortie sud d'Ambia. Voilà, comme ça on est bien à 22 pouces, on reste à 1200 pieds, on est tranquille. On s'en va. Je me tire à prouver. Alors tu sais, de refaire comme tout à l'heure, on était bien. Juste après, quand t'as commencé à retirer sur le manche, l'avion est reparti. On faut vraiment avoir des petites actions au manche. Ouais. D'accord, bah c'est juste pour commencer petit à petit et bien travailler les regards latéraux, voir comment à quelle hauteur tu es par rapport à la piste. Et le but du jeu, c'est vraiment de maintenir l'avion à cette hauteur-là au-dessus de la piste. Au début, on tire tout doucement, et puis après, avec la vitesse qui est mise, on va tirer un peu plus puisque les commandes sont moins efficaces. Donc, ça fait Tango, rappel à la piste 07 droite numéro 1. Je commande. Rappel à la piste 07 droite numéro 1, Alpha Tango. Ah, tu vois, t'as la baraque qui est là. Tu vas dessus. Tu regardes comment t'es par rapport à la piste, tu vois, la hauteur c'est pas mal. Continue à descendre tranquillement. Bah, t'es à peu près entre 300 et 400 pieds minute au vario. Chrono Charlie, à niveau piste 07 gauche, attendez. Dans sa ligne 07 gauche, on attend, faut le faire, Charlie. Voilà, on est bien, on est stable. On va arriver sur le plan. Pour l'instant on attend encore avant de tourner. On va tourner quasiment sur place. On a que 71 nœuds en vitesse. Chasse à Tango, piste 07 droite, autorisé touché, vent du nord, 8 nœuds, trafic d'A62, départ de l'appareil IFR, appelé base. Touché autorisé 07 droite, on rappelle en base Alpha Tango. Chrono Charlie, piste 07 gauche, autorisé décollage. Voilà, commence à réduire l'inclinaison, on prend ton axe tout de suite. Autorisé décollage 07 gauche, on rappellera pas. Voilà. Allez, reprends bien ton axe. Je te laisse pas embarquer à droite, reprends ton axe, on va faire légèrement. Ah ouais, faut se battre avec sa machine hein, aujourd'hui. Ouais. Et c'est toi qui es aux commandes, hein, c'est pas lui. Ah, te laisse pas trop descendre non plus. Delta Bravo, si vous contactez Chevreuse, qu'on fait le transfondeur, sinon 7000 à tout à l'heure. Hélicoptère Delta Bravo en approche sur Dampierre. Ok, allez, on réduit. Un peu de pied à droite, on commence à arrondir. Hop, pas plus, top, pas de manche en avant. Tire un peu du pied à droite, mais du pied à droite. Pied à droite, du manche à gauche. Ah. Et... Hop, allez, du pied à droite, garde bien l'axe. Reprends ton axe. Allez, mets du pied à droite, franchement. Ah, allez, rotation. C'est pas facile aujourd'hui je trouve. Ah ouais, ça remet aujourd'hui. Ah, ça remet pas tellement mais t'as le vent. Le vent carrément à gauche quoi. Ah ouais. Et tu vois l'avion il arrive vraiment en crabe sur la piste. Disons franchement c'est catastrophique aujourd'hui. Ah, le précédent était meilleur mais. Bah, l'avion arrive, quand l'avion vraiment arrive en crabe comme ça, tu commences d'abord à arrondir pour casser la trajectoire de descente. Après tu mets du pied à droite et en même temps. Faut que tu mettes un peu de manche à gauche pour incliner légèrement l'avion pour qu'il garde l'axe de la piste. Et si tu mets uniquement du pied à droite, tu vas remettre l'avion dans l'axe mais le vent va te pousser hors de la piste. Donc il faut compenser ça en mettant un peu de manche à gauche pour bien rester sur l'axe. Donc dès que je te le dis, tu réduis, tu arrondis et en même temps, le but... D'accord, le but vraiment de remettre du pied à droite pour bien, pour le coup, aligner l'axe de l'avion sur l'axe de la piste. Et un peu de manche à gauche également pour commencer à compenser les effets du vent. D'accord. Allez, tu peux remettre la vue en lisse.
Mais bon, c'est vrai, aujourd'hui c'est pas facile. Hein. On va pas se mentir. Hein. Mais en même temps, si tu veux, c'est quand même intéressant pour ta formation de voir aussi comment ça se passe avant de travers. Parce qu'après, quand tu seras breveté, bah, ça t'arrivera aussi avec des jours te poser avec du vent de travers. Tu vois que tu te fais emmener d'un côté, corrige tout de suite, te laisse pas embarquer. Pierre deux fois, piste 07 gauche, autorisé décollage, vent du nord, 10 maximum 15h, appelez pas 100 000 pieds. Allez, début du virage. Pierre deux fois, autorisage, le décollage autorisé, donc sur le 07 gauche et je rappelle. Je rappelle au final 07 droite numéro 1, Alpha Tango. QS uniforme, si vous contactez Chevron, est-ce qu'on fait le transpondeur sinon 7000 à tout à l'heure. Avec Chevron, alors regarde comment tu es par rapport à la piste, par rapport à tout à l'heure. Hein. Et plus haut, plus bas. Ouais, voilà. On va regarder. T'as besoin de belles tours réduites, hein, tu peux y aller, y'a pas de problème. Ça doit être jugé. Allez, attends encore un peu avant de tourner. Allez, c'est parti. Fox 07 Tango, piste 07 droite, autorisé touché en du nord 10, maximum 15, trafic B58 au départ de l'appareil IFR, rappelez base. Touché autorisé 07 droite, on rappelle en base Alpha Tango. Allez, plein voilà, plein petit pas, reprends ton axe. Le plan, tu l'as. Allez, on se bat, on va y arriver. Ah ouais, faut être actif hein, aujourd'hui. 70. Allez, ouais, c'est bon, tu remets un pouce à l'admission. Laisse pas embarquer par le vent, garde bien ton axe. Ok, allez, on continue comme ça. Là, l'axe, tu l'as. Continue. Tu vas descendre. Allez, on réduit tout. Commence à arrondir, mets un peu de manche. Pied à droite et du manche à gauche. Et du pied à droite. Mais à un moment donné, ça descend très très. Voilà. Hop, ça va aller très vite. Allez hop, décollage. Hop là. À un moment donné, t'as l'impression que ça. Ah ouais, mais. Bah, dès que ça descend d'un coup. Ouais, ouais. Alors dès que tu le réduis, il va commencer à descendre un petit peu, bien sûr. Mais quand tu vois, tu tiens juste un petit peu, faut vraiment le maintenir en rase au-dessus de la piste. Et il va mettre un peu de pied à droite pour bien récupérer son axe. Ça va, tu tiens le choc. Oh bah moi ça va quoi. Tant qu'on a rien cassé ça.
t'envoie un visuel, salut, docteur. T'as reçu le Fatango? Je le vois. Non, je le vois là-bas au bout de l'île. T'inquiète pas, c'est croisé. Bon, il y a moins de monde dans le circuit, c'est déjà pas mal. Bon. Et on va essayer d'être moins mauvais. Ah ouais, ça va s'améliorer, t'en fais pas. Ça fait Tango, rappel final, piste 07 droite numéro 1. Rappel à final 07 droite numéro 1, Alpha Tango. Début de descente. Tu l'as bien, maintiens ta vitesse. Et altitude, c'est pas mal comme ça. Remonter. Récupère ouais. Le plan, récupère l'axe. Donc ça s'attend aux pistes 07 droite, autorisé touché vent 350 degrés, 10 nœuds maximum 10, rappel base. Touché autorisé 07 droite, on rappelle en base à Fatango. Allez, récupère ton axe. Mets du pied à droite, vas-y, tu vas l'avoir. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, garde bien l'axe, mets du pied à droite. Appuie à droite, appuie à droite. Et un peu à gauche, voilà. Rotation, c'est parti. Ah, tu vois, celui-là était pas mal du tout. Quoi. Wow. Eh ben, ça va, 1 sur 5. Au niveau de l'arrondi, c'est pas mal du tout quoi. T'as ouais. Bien gardé l'avion juste ce qu'il fallait au-dessus de la piste. D'accord. D'accord, il se peut mettre un peu plus de pied à droite vraiment pour bien réaxer l'avion sur l'axe de la piste. Qui est là-bas, tout seul sur la route. On passe derrière ou devant? On va passer quasiment au-dessus, on va passer... D'accord. Allez, on passera derrière, on tournera le tank.
prend bien le temps de stabiliser la finale. Ouais, je vais te lui passer juste derrière, hein, tu le rases comme ça. Alors là en bas on descendra un petit peu moins, on est un peu plus éloigné de la piste. Bonjour. Ouais, attends encore un petit peu. Ouais, je peux y aller. Autorisé décollage bateau 07, trafic en vue, Yankee Papa, je rappelle la prochaine sacrée. Voilà, allez tout droit, on réduit, on descend tranquillement. Vas-y, prends bien le temps de stabiliser ta finale, on reste bien dans l'axe de la piste. Là, on va passer derrière le château là. Non, c'est non, ça non, c'est la piste. Hein. D'accord. Tu vois comment on est là, on peut commencer à virer. Bah t'as le plan, deux planches de rouge, je peux commencer à réduire l'inclinaison tout doucement. Va bien chercher l'axe de la piste. Donc ça c'est Tango, piste 07 droite, autorisé toucher, vent du nord, 10h, rappelez base. Touche autorisé 07 droite, on rappelle en bas, Alpha Tango. Allez, fais un petit palier pour reprendre le plan, on a 4 rouges. Voilà, allez, va plus à gauche, on te laisse pas embarquer à chaque fois par le vent. Allez, reprends ton axe, t'es encore à droite de l'axe. Mets du nez à gauche. Il faut vraiment que la trajectoire de l'avion soit sur l'axe de la piste. On continue. Bah, légèrement plus à gauche, on est toujours un peu à droite de l'axe. On remet un peu de puissance. Allez, on remet 2 pouces. On remet 2-3 pouces. Laisse pas la vitesse tomber. Voilà, tu vois là, l'axe tu l'as. Voilà, doucement. Hop, allez on continue comme ça, on réduit. Réduit doucement, tire un peu, mets du pied à droite. Appuie à droite. On se fait appuyer 3 à droite. Allez, mets du pied à droite, vas-y, appuie franchement à droite. Et on commence à décoller, allez c'est parti. Les palonniers sont un peu durs, donc faut pas hésiter à appuyer dessus. Vraiment le but celui c'est de remettre l'axe de l'avion sur l'axe de la piste. Ah tu laisses pas embarquer, passe bien entre le bosquet et la ferme, d'accord. Tu passes légèrement entre pas droite. Et on fera un complet. Oups. Ouais, ça c'est l'hélicoptère. Autorisé atterrissage 07 droit sur un toucher, pardon, je rappelle pas Fox City Golf. Sous-coche Victor, trafic Bonanza, Sierra Base. Oui, je suis visuel Fox Golf Victor. Travers gauche, je vais converger avec vous. Oui, j'ai visuel Golf Victor. 62 Romeo, trafic hélicoptère dans vos travers droit convergent. 62 Romeo, la visuel. Je suis pas en carte de base 07. 75 unités, rappelez la piste 07 droite numéro 1. On va passer à 07 droite, après 75 unités. Ah, il était en sortie. 75 unités, correction, rappelez la piste 07 gauche numéro 1. On descend 07 gauche, après 75 unités. Fox, bravo Golf, bonjour, niveau piste 07 droite, attendez. Je m'aligne 07 droite et j'attends pour vous, Golf.
terminal 07 droite, numéro 1, au moins 450 degrés. Bravo Golf, piste 07 droite, autorisé décollage, vent 020 degrés, 9 nœuds maximum, 14, 2 trafic monté initial, tour de piste, rappel sortie sud Empire. Autorisé au 29 droite, je rappelle la sortie d'Empire, bravo Golf. 75 unités, piste 07 gauche, autorisé atterrissage, vent 020 degrés, 9 nœuds maximum, 14. Autorisé atterrissage 07 gauche, à poste de service. Allez. Fox Alpha Tango, rappel initial piste 07 gauche, numéro 2, trafic précédent, Cessna, final complet. Rappel en final de 07 gauche, numéro 2 sera complet pour nous aussi, Alpha. T'es reçu pour le complet. On reprendra la gauche. 8562 Roméo, piste gauche, 07 droite, autorisé atterrissage, 1020 degrés, 9 nœuds. Il atterrit à gauche le... Ouais, mais si tu réduis bien, normalement ça devrait passer. Quoi. Puis si ça passe pas, on mettra les gaz. Ah, et par contre, faut que tu fasses descendre l'avion. Regarde comment t'es par rapport à la piste. Il y a eu jet dans l'altitude. En ce moment, on est sorti. Si t'as besoin de mettre tout réduit, tu le mets. Là, on a de la des vitesses, c'est bon. Donc, on fera un complet, on s'arrête à cette fois-ci. Ouais. Ah, par contre, je suis pas sûr, mais ça. Fox Golf Victor, trafic Cessna 210, midi 1h, 2 nautiques. 70, je peux pas descendre beaucoup plus. Ouais. Il a fait le descendre. Pour Victor, je contacte quelque chose concernant le transpondeur, sinon 7000 à tout à l'heure. Allez, tourne. Allez, on prend ton axe. Garde bien l'axe. Continue pour l'instant. On verra si ça passe. Paul 5 rebonjour, rappelez Sierra. Je rappelle Sierra, Fox-Cookie, bravo. On a un peu de puissance, 7 pouces. Alpha Tango, la piste se libère en bout de bande, piste 07 gauche autorisée, atterrissage, vent 0,10 degrés, 8 nœuds maximum 14. Atterrissage autorisé 07 gauche, Alpha Tango. Allez, remets la puissance, laisse 17-18 pouces. Rappelez Sierra, piste 07 droite, numéro 1. Petite correction, rappelez Sierra, piste 07 gauche en numéro 1. Je rappelle Sierra, 07 gauche en numéro 1, Fox-Cookie au golf. Ok, allez, rien du tout, pas à peine de remonter. Sur le manche, ah, mets du pied à droite, mets du pied à droite, du pied à droite. Fox, mets du manche à gauche. Allez, regarde bien ton axe. Reprends ton axe, reprends bien ton axe. N'hésite pas. Ils sont super durs les palonniers. Ouais, ils sont durs, mais il faut y aller. C'est vrai que le manche est très sensible, mais les palonniers, il faut appuyer comme un courant dessus. Alors, reprends bien ton axe, mets-toi sur l'axe de la piste. Derrière pour la 07 droite, c'est quoi Charlie? Fox Echo Charlie, autre trafic, faut appuyer dessus. 210, passe 3 nautiques finales, IFR pour la parallèle. Désolé, Echo Charlie. 07 gauche dégagée, Airpods 75 unités. 75 unités avec le 500. Peut-être pour ça que, en fait, j'arrive pas. J'effleure, moi. Effleure pas, hein. Appuie, hein, appuie dessus, hein. Faut vraiment appuyer sur le champignon. Ouais, ça doit être ça, en fait. Je viens de percuter, en fait. On prend 3 Yankee, bonjour. Ah, elle commence à ralentir avant de virer. 07 gauche, vent 0,10 degrés, 7 nœuds. Allez, c'est parti. Service 7 avec 14, bonjour, autorisé, Tachage Gros 33. Donc 33 Yankee, trafic Cessna, entre en base pour la parallèle. On a visuel 33. Bon. Ah ouais, les palonniers, hein, ils sont durs, hein, faut appuyer dessus. D'autres avions, si le DA-40, ils sont plus légers, comme mais là, bah, ils sont serrés. 07 droite, je rappelle base de Fox qui est au golf. C'est juste après, hein, c'est ça? Ouais, c'est juste après. Hop! Allez, d'abord tu passes sur le sol. Max Zulu, transpondeur 7000, roulez point d'attente 07 droite, rappelez prêt. Transpondeur 7000, on roule au point d'arrêt piste 07 droite, on rappelle Max. Fox Alpha Tango, la piste est dégagée. Fox Alpha Tango, bonjour, roulez quitter au touring, au revoir. Fox Alpha Tango, nous voyons en touring, merci, bonne journée. Alors, évite juste de la piste, tu la redis bien. Tout sur sol, Alpha Tango, rebonjour, et après tu dis la 07 gauche est dégagée pour le touring. C'est pas les mêmes personnes? Bah, ils sont au même endroit, mais comme c'est pas la même fréquence, c'est pas la même personne là, qui le fait. Ah, d'accord. Là, tu peux rentrer toutes les servitudes. Hein. Tout sur sol de Delta Golf Oscar Sierra Tango, bonjour. Delta Sierra Tango, bonjour. Bonjour madame, Sierra Tango, c'est un départ. Là c'est bien à gauche, hein. Ouais. Non, tu côté tout droit. Donc avec ton vol, ah oui, je suis perdu. Non, bah là tu vas chez Farman, sinon.
faut essayer, hein, mais c'est pas le même prix. Normalement, il faut attendre que vous ayez la mise en route officielle, donc il est 12h48 et je vous rappelle. C'est la tango, on peut commencer à rouler sur notre responsabilité? Oui, si vous voulez, vous êtes à la COP. Affirme. C'est la tango, roulez point d'attente 07 gauche et je vous rappelle avec la mise en route officielle. La 07 gauche, on entend. Tango et c'est la tango. Bon, toi t'as vu ce que c'est que le vent de travers? Waouh. Ça occupe, hein? C'est-à-dire qu'à l'arrondi, t'as beaucoup de choses à faire. Voilà, faut tirer sur le manche, mettre du palonnier à droite. Donc je te dis, appuie plus sur la palonnier, vraiment. C'est, ouais. C'est visuel tant que l'avion n'est pas réaligné sur l'axe, tu continues à appuyer dessus, quoi. Et en même temps, mettre un peu de manche à gauche pour incliner un tout petit peu l'avion pour mettre du manche dans le vent. Delta Sierra Tango, la mise en route officielle est approuvée pour le départ d'Ordi 6 uniformes. Rappelez à 3 minutes. Rappel à 3 minutes, 6 uniformes, celle d'Ordi. Bonjour, c'est bonjour, roulez quiétude et bonne fin de journée. En vol, il me semble que les palonniers sont moins, sont plus sensibles en fait. Fox Golf Juliette, Québec Alpha, bonjour. En vol, quand tu mets du, quand tu mets un peu de pied à droite pour faire. Bah après, comme tu vas plus vite, si tu veux, les commandes sont plus efficaces aussi vu que l'air circule plus vite autour des commandes, autour des gouvernements. Québec Alpha, transpondeur 1770 unité. Parce que ici les palonniers non seulement ça fait tourner. Je n'ai pas compris. Ça fait. Le confirme la piste 07 droite. Pour ce Québec Alpha, piste 07 droite, merci. Ça fait non seulement tourner la gouverne, mais ça fait aussi tourner la roulette avant, donc il y a un peu plus dur. On est en gare 120. À côté du tango Lima. Ouais, dans le même sens que lui. Tourne comme ça. Dans le même sens que lui. Ouais, on va battre dans le vent. Voilà. Mais à côté dans le même sens. Novembre 62, Roméo, transpondeur 3703, roule point d'attente 07 gauche, rappelez prêt. 3703, voilà. Roule point d'arrêt 07 gauche et on rappelle prêt. Novembre 82. Ok. Les yeux avec. Alors, qu'est-ce qui manque? Alternateur, batterie, le frein, paramètre. Alors. 90-21. Donc 90-20. Hein. Sourire. Tease.